C'est Delphine de KFAMC. Aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre à manier une arme, le Nunchaku. Dans la dernière vidéo que nous avons tournée et mise sur notre chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder, nous avons appris le début d'une forme au Nunchaku, d'un Tao de Nunchaku. Aujourd'hui, nous allons voir la suite et fin de ce Tao. C'est parti! Maintenant, nous allons faire le Tao étape par étape. On recommence là où on s'était arrêté. Donc on était ici, jambe droite devant, arc et flèche, position arc et flèche, gong bu en chinois. Là, la main gauche au-dessus, la main droite en dessous et à peu près au niveau de la hanche, ici. Ici, on va commencer par passer le poids du corps de l'autre côté. Donc on va venir tendre sa jambe droite et plier sa jambe gauche. Et en même temps, on va venir échanger ses mains. Là, on va lancer le Nunchaku vers la gauche. Et là, ma main droite va venir prendre la place de ma main gauche. Ici. Un. Et je vais venir attraper de l'autre côté. Ici. Je passe. Et je viens sur le côté. Ramener son pied, on va venir comme si on lançait Nunchaku vers le haut et venir tout simplement échanger les mains. Encore une fois, ma main qui est au-dessus passe en dessous et prend la place de la main droite. On est ici. 1. Ici. Là, on va venir mettre le bras sur le côté et on va faire, c'était un peu difficile pour nous la dernière fois, on va venir faire le 8. Donc un tour à droite, un tour à gauche, un tour à droite. Sur le côté. 1, 2, quand on vient faire le tour à droite, on va venir faire comme la dernière fois, envoyer notre épaule vers l'avant, mettre notre poignet vers l'avant, les doigts bien vers l'arrière, et faire un tour au Nunchaku vers l'arrière. Ici, 1, 2, 3. Et là, on va envoyer le bassin pour venir regarder à gauche, ici. Ici, 1, 2, 3, 4. Quand on est ici, on va venir faire ce que j'ai appelé dans une autre vidéo l'inverse du 8, c'est-à-dire qu'on va venir ramener le Nunchaku vers nous, faire tour à gauche, tour à droite. Là, on va faire que deux fois. Ici, un tour à droite, un tour à gauche, un tour à droite, derrière, droite, gauche. Et quand on va revenir, on va venir repasser le bassin de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, je repasse de l'autre côté. Et ici, je vais faire deux tours à mon Nunchaku. Ici, vers la droite. Ici, on vient mettre le bras, la main au niveau de l'épaule, ici.
On va venir rouvrir. Et là, on va venir donc tendre ce bras à hauteur de l'épaule, en mettant bien la main comme ceci, hein, ici. Et là, on va venir faire des tours vers le bas. Donc, il faut bien que le nunchaku, la corde soit en bas, et bien droit vers le haut, ici. Et là, on va venir faire des tours. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Pareil, on essaie d'en faire deux. Donc, quand on était ici, on revient. 1, 2, 3. Et là, on va venir replier le bras et venir mettre le nunchaku sur mon bras, ici. Je viens le mettre, je le passe de l'autre côté et j'attrape. Comme 1, 2, ici. On reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici. Ensuite, on va venir lâcher notre main qui est dessous, donc la main droite. On va venir mettre le bras au niveau à peu près hein, du nombril, ici, et venir lancer le nunchaku et le poser au niveau du poignet. Là, il faut que le bout du nunchaku, ici, touche le bras. Très important. Pas que ce soit que la ficelle, pas qu'il n'y ait que le nunchaku, ici. On vient bien au bord. Quand on est ici, on va venir faire ce mouvement-là qu'on reverra dans une autre vidéo sur les maniements de nunchaku. Ici, on va venir comme si je venais rentrer mon bras vers moi et je laisse le nunchaku rentrer aussi. 1. Et là, je vais venir tout simplement échanger mes mains. Ici. 1. J'échange et je remets sur mon poignet. 1. Je refais pareil de l'autre côté. 2. Ça, c'est un maniement. Là, on va le faire qu'une fois. On est ici. On vient. 1. Et là, on va venir faire un autre maniement. On re-rentre le bras. On vient faire un tour sur le côté. Ici. On re-rentre le bras. On fait un tour sur le côté, vers l'arrière. Et on va venir bloquer avec son avant-bras. Ici. On est ici. 1, 2, 3. Encore. 1, 2. Une fois qu'on est ici, on va venir envoyer le nunchaku vers le bas, ici, et faire un tour. Et mettre sur le côté. Un côté. Du moment que je l'ai mis sur le côté, je vais le renvoyer vers l'avant et je viens l'attraper. Ici. Au niveau à peu près du nombril. 1, 2, 3, 4, 5. Deux tours sous le bras. Deux tours sur le bras. Deux sous le bras, j'attrape. Ici, je renverse. Je viens rentrer à l'intérieur. J'échange les mains. Je rentre à l'intérieur. Un tour bloqué. Vers le bas, un tour, côté, attrapé. Pour finir, on va venir monter vers le haut. Donc là, je passe tout mon poids du corps sur la jambe droite, la jambe arrière. Ici, j'ai bien le nunchaku comme ceci. Et là, je viens bien monter vers le haut. Ici, je tends. Je suis bien tendue vers le haut. Et là, je vais descendre en me faisant un pamabu. Ou un seulyoku. C'est qu'on va venir faire une position donc, comme si on était en cavalier. Sauf qu'on va mettre 60% du poids du corps sur la jambe droite, donc sur la jambe arrière, et que 40% sur la jambe avant. Et là, on va venir ouvrir le pied, ici. Là, mes mains qui étaient en haut, je viens les remettre sur le côté, et je regarde à gauche. Et je reviens.
d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Maintenant vous connaissez la forme, le Tao Nunjaku en complet. Il est assez complexe mais assez court, donc je vous conseille de retravailler chaque séquence à l'aide de nos vidéos et après d'essayer d'enchaîner, mais de bien travailler chaque mouvement séparément d'abord, puis après d'essayer d'enchaîner le tout. Je vous souhaite un très bon entraînement et sur ce, à très vite pour de nouvelles vidéos.